Salut les manchots, station Bresser WSX 3001 SAV. Comme vous pouvez le constater, la station est en erreur. Je n'ai plus d'informations sur le capteur de la température extérieure. Plus d'indications de la température, la direction du vent est aussi en erreur. Plus d'infos sur les UV et sur la température ressentie. Le capteur extérieur se trouve ici, il est actuellement en panne. Après analyse et remplacement des piles, j'ai remplacé plusieurs fois les piles, ça ne fonctionne pas. Pour information, sous le capteur, vous avez une LED qui doit clignoter. La LED qui doit clignoter se trouve ici et je n'ai plus d'informations comme quoi elle clignote. Elle n'envoie donc pas des informations vers la station. Le capteur extérieur qui se trouve ici est donc actuellement en panne. La station Bresser a été mise en service au mois de février et nous sommes actuellement au mois de septembre. La station est donc toujours sous garantie. Je me suis donc connecté sur le site de Bresser mais il ne fonctionne pas avec le logiciel Firefox. Firefox n'arrive pas à m'afficher la page de chez Bresser. Ce n'est pas bien grave, je vais lancer le logiciel Chromium pour le navigateur internet. Et là j'ai accès au site de Bresser. Alors, petit historique pour ma station. La première fois, j'avais acheté la même station qui se nomme WH6000 chez Frogit.de. Cette station a très bien fonctionné, mais le capteur extérieur est tombé en panne. Le capteur extérieur qui se trouve ici ne fonctionnait plus. J'ai donc contacté le site de Frogit.de, qui était le fabricant de cette station, mais je n'ai jamais réussi à contacter le service après-vente. Que ce soit par téléphone ou par mail, je n'ai jamais réussi à contacter le site de Frogit.de pour le service après-vente de cette station. J'ai donc décidé de commander une autre station qui est identique à celle-ci, mais en version Bresser. La version Bresser est identique à cette station. La seule différence est que cette station est équipée d'un ventilateur au niveau du capteur de température extérieure, comme vous le voyez ici sur cette documentation. Et vous pouvez le voir ici en réel sur la station. J'ai donc contacté le site de Bresser, qui est très facile à contacter. J'avais déjà fait des essais avant de commander cette station. Vous avez ici un contact du service client, qui est très facile à joindre et qui est en français. Et j'ai donc contacté le service client. Et voici la réponse du service client pour la réparation de ma station. Échange de la sonde défectueux pour votre station WSX 3001. Le capteur WSX 3001 qui se trouve ici va être remplacé par un nouveau capteur qui est compatible avec la station. La référence se trouve ici pour la référence du capteur. Alors le fabricant a décelé un problème majeur pour le capteur thermo-hydro et vent. Pour certains lots, il nous demande de remplacer votre sonde par les nouvelles sondes 7 en 1 compatibles. Les caractéristiques sont identiques. De plus, la forme aérodynamique réduit l'importance de la prise au vent, mouvement de balancier pouvant modifier les valeurs mesurées par le pluviomètre. Nous allons donc effectuer la mise en route de cette nouvelle station que je viens de recevoir, avec la mise en route qui est indiquée ici. Alors il faut savoir que sur le site de Bresser, vous allez pouvoir recommander les pièces indifféremment, que ce soit le capteur de température extérieure qui se trouve ici avec l'anémomètre, le pluviomètre et ici avec un nouvel équipement qui se trouve ici avec le capteur solaire qui se trouve ici pour envoyer les infos vers la station dans la journée. Alors bien sûr, j'ai conservé la station intérieure qui fonctionne toujours parfaitement, que l'on peut aussi commander séparément. La station intérieure fonctionne parfaitement, seul le capteur extérieur va être remplacé. La référence se trouve ici. Je viens de recevoir par le SAV le colis Bresser. C'est la station extérieure que je vais pouvoir remplacer et qui est compatible avec ma station. À l'intérieur, j'ai retrouvé le document avec une présentation qui est en anglais et en allemand. J'ai commandé bien sûr à part les piles qui vont fonctionner et qui ne fonctionnent pas actuellement avec l'ancienne station. Ce sont les mêmes piles que j'ai utilisées pour l'ancienne station mais ça ne fonctionne pas. Donc celles-ci je vais pouvoir les utiliser dans la nouvelle station. Nous allons pouvoir déballer ensemble ce colis qui vous sera livré comme ceci. Voici donc la nouvelle station avec l'équipement complet. Le mât est fourni avec la station. Ensuite, vous avez le support qui est fourni aussi avec le nouveau modèle. Ensuite, à l'intérieur, bien sûr, elle était dans un emballage que j'ai enlevé. Normalement, ici devrait se trouver la station intérieure, mais puisqu'ici nous remplaçons que le capteur extérieur qui est défectueux, il n'y a pas de capteur
intérieure. Il n'y a pas de station intérieure. Ici, c'est le pluviomètre que nous allons assembler ensemble après avoir sorti la station. Alors, voilà le modèle complet de la station. Ici, nous avons le nouveau capteur solaire qui va servir pour envoyer les informations de la station extérieure vers la station intérieure pendant la journée. Ensuite, ici, nous avons le capteur UV. Ici, c'est un capteur à bulle pour bien mettre de niveau votre station. Il faudra bien l'orienter avec le nord. Ici, c'est l'antenne pour émettre vers la station qui se trouve à l'intérieur de la maison. Bien sûr, nous avons ici l'anémomètre et la girouette. Ici, nous avons le même principe, le capteur pour la pluviométrie qui se trouve ici. Et nous allons mettre en place le capteur. Il suffit juste de le mettre en position et de tourner un quart de tour avec le petit clac qui va bien. Dessous la station, nous avons le même principe. Nous avons un logement pour les piles. Et ici, le capteur et l'émetteur qui va nous permettre d'avoir les informations avec une émission au niveau de la LED qui va clignoter plusieurs fois par minute. Comparons maintenant rapidement l'ancienne station et la nouvelle station. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas du tout les mêmes gabarits. Au niveau des capteurs girouette et température, ils sont légèrement plus petits au niveau des capteurs. Pour le pluviomètre, c'est pareil, il est légèrement plus petit que l'ancienne version. Mais cela n'est pas un souci, c'est calibré en fonction. Pour le capteur de température, il est tout simple, ça sera identique à l'ancien capteur, mais je n'aurai pas de ventilation au niveau de ce capteur. Ici, pas de ventilation à l'intérieur du capteur de température. Je vais le démonter rapidement pour vous montrer ce qui se passe au niveau du capteur de température. Voici le nouveau capteur de température qui se trouve ici. On peut le constater assez rapidement, ce n'est pas tout à fait la même dimension au niveau des capteurs. Au niveau du logement entre les deux capteurs. L'ancien capteur se trouve ici et est équipé d'un ventilateur, comme vous pouvez le constater ici. Ça, c'était l'ancien capteur, mais il n'est plus disponible. Je vais donc remonter le capteur, mettre les piles à l'intérieur et remettre en service la station. Et vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Je viens de mettre les piles à l'intérieur et comme vous allez le constater assez rapidement, le petit voyant ici s'est mis à clignoter. Et là, comme vous pouvez le constater, il a déjà repéré la station. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à l'arrière de la station Bresser un petit bouton qui vous permet de valider Sensor Wi-Fi. Le bouton se trouve ici. J'appuie juste une seconde sur le bouton Sensor Wi-Fi. Et là, il est en train d'analyser la station. Alors là, ça a été assez rapide, comme la station est juste à côté. Mais vous allez le constater, j'appuie. Et là, il recherche la station. Et très rapidement, il va retrouver les stations extérieures et intérieures qui se trouvent ici. Donc, il est parti dans le scan de la station. Il a trouvé la station extérieure. Bon, pour l'instant, elle est à l'intérieur, donc elle va indiquer la même température qui se trouve ici. On a bien sûr la direction du vent et les UV qui se trouvent ici, la température ressentie. Alors, pour la station intérieure, c'est un petit peu plus long, mais il va la repérer assez rapidement. Et voilà, la station intérieure a été repérée. Alors, j'ai même une autre station qui se trouve dans la maison. Si j'appuie sur Channel ici, je vais avoir un autre canal, voilà, le canal numéro 2. Alors ça, c'est la température du garage qui est à 21,4 degrés et 70%, 18% d'humidité. Alors, je n'ai que deux capteurs pour la température intérieure. Hop, là, je reviens sur la température intérieure qui se trouve à l'étage ici dans le salon. Le voyant, bien sûr, se met à clignoter. C'est la première chose à regarder avant de dépanner votre station. Il faut que ce capteur se mette à clignoter plusieurs fois par minute. La première chose à faire, bien sûr, ça sera de remplacer les piles. Alors, comme je suis électricien, j'ai vérifié les piles pour la valeur qui doit être de 1,5 volts minimum. En dessous de 1,5 volts, il vaudra mieux remplacer les piles pour être plus confiant. Et les trois piles doivent, bien sûr, faire 1,5 volts. Là, actuellement, à son neuve, elles font 1,6 volts et c'est les mêmes que j'avais testées sur l'ancienne station, mais l'ancienne station ne fonctionne pas. Pas d'émission et pas de voyant qui s'allume sous la station et celle-ci restait bien sûr en erreur.
Je vais maintenant profiter d'une éclaircie pour l'installer à l'extérieur. La station est maintenant installée à l'extérieur. Nous avons donc 16 degrés à l'extérieur avec 82% d'humidité. L'indication UV est à 5 et nous avons aussi la direction du vent. Ouest-sud-ouest, 3,9 km/h. Tout fonctionne parfaitement. Je tiens à remercier le SAV de chez Bresser qui a été rapide et efficace dans ce dépannage. Je vous dis maintenant kenavo et à bientôt.